Il est temps maintenant pour la période des questions. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. Toute dissolution de la région de Peel va demander beaucoup de réflexion de la part de ce gouvernement. Il y a beaucoup de parties intéressées et de parties prenantes et beaucoup d'argent en cause dans cette région. Mais comme nous avons vu, que ce soit pour le projet de loi 23 ou l'élimination des élections et les changements des responsabilités, ce Premier ministre a souvent imposé des changements importants aux municipalités sans consultation préalable ou sans révision, en laissant les municipalités, les contribuables, à devoir gérer le chaos qui en résulte. Alors, comment la région de Peel peut croire au Premier ministre pour qu'il arrive à bien faire les choses cette fois-ci? Le ministre du Logement. Et je ne suis pas d'accord avec la chef de l'opposition. Le Premier ministre est très clair sur cet problème et nous sommes engagés à travailler avec tous les partenaires municipaux pour faire en sorte que tout le monde ait les instruments et l'autonomie de pouvoir fournir des services efficaces à leurs commettants. C'est un problème qui a été discuté pendant longtemps à l'intérieur de la région de Peel. Comme j'ai dit au préalable, le Premier ministre est très clair et a des intentions très claires et nous en avons plus à dire là-dessus, Monsieur le Président. Question complémentaire. Alors, le Premier ministre, la semaine dernière, nous avons rappelé au Premier ministre sa responsabilité pour que les municipalités puissent récupérer les pertes de 2022-2023. Nous avons dit que pour pouvoir récupérer en 2023, Brampton aurait dû augmenter les impôts de 80% pour couvrir les pertes. Maintenant, on va perdre peut-être un milliards de dollars en termes d'infrastructures. Mais le ministre semble oublier tout concernant ses promesses de pouvoir aider les municipalités. Le Premier ministre a même comparé la municipalité de Peel à des gens qui font la quête. Alors comment on peut croire à ce processus de restructuration alors que le Premier ministre et son ministre ont montré un tel manque de respect? Le ministre pour sa réponse. Eh bien, Monsieur le Président, la région de Peel a l'une des communautés croissantes le plus dans notre province. Nous avons été très clairs sur le fait que nous allons continuer de travailler avec eux. Nous avons nommé un vérificateur récemment pour la communauté de Peel avec une vision très claire, c'est-à-dire de pouvoir mettre ces municipalités sur la voie du succès. Les trois municipalités, Mississauga, Brampton et Caledon, vont faire partie de l'expansion et ont beaucoup de pouvoir. Toutes ont été claires avec nous. Elles sont engagées avec des objectifs pour le logement et ils sont en train d'être sur la voie du succès. Question finale. J'encourage le ministre à aller écouter les gens de Brampton. Leur municipalité est effectivement en train de croître à un taux extraordinaire, mais plusieurs fois, à maintes reprises, ce gouvernement fait des promesses aux Torontois, mais ne donne rien si ce n'est que des demi-mesures. Alors, je ne peux que m'inquiéter concernant les programmes de ce gouvernement. Ils méritent mieux et plus. En 2019, le gouvernement a annoncé une révision du gouvernement après 3 mois de consultation. Et la révision a reçu 8500 soumissions écrites. Et ensuite, le gouvernement a cassé toute promesse. Le rapport et les recommandations ont été tenues secrets depuis. Alors, pour les résidents de Peel et d'autres Ontariens, ils doivent avoir accès à toute l'information. Est-ce que le Premier ministre va commander que le rapport de 2019 soit rendu public? Le ministre du Logement. Merci, Monsieur le Président. Vous savez ce dont la chef de l'opposition n'a pas parlé, les résultats des élections de l'année dernière. Et on en parle maintenant. Tous ces sièges dans la région de Peel sont des sièges du gouvernement, qui appartiennent au gouvernement. Alors, il y a en fait une histoire qui se reproduit. Nous allons continuer de travailler avec la merveilleuse région de Peel
avec les députés de cette région. Nous allons continuer à travailler avec ces conseils de Caledon, Brampton et Mississauga et nous voulons donner un message clair à la population qui vit dans la zone de Peel, que vous habitiez à Caledon, à Brampton ou à Mississauga. Nous voulons garantir que le processus donne des résultats qui montrent des services que les gens attendent et qui vont attendre à l'avenir. Nouvelle question, la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Avant de passer à ma prochaine question, je me demande comment les gens de Brampton vont se sentir lors de la prochaine élection quand ils vont voir que les impôts ont augmenté de 80 %. En septembre, le 15 septembre, à l'ordre, s'il vous plaît, dit le Président, le 15 septembre 2022, une société contrôlée par Michael Rice du groupe Rice a acheté 687 acres de zones vertes protégées. Alors, quelques mois après, le gouvernement a annoncé que cette partie ne ferait plus partie de la ceinture de verdure. Et maintenant, M. Rice doit discuter l'acquisition de ces terres. Il a expliqué qu'avant d'acheter ces terres, et peut-être même en janvier de l'année dernière, il y avait des informations. Alors, ça n'a aucun sens que M. Rice propose le développement de la ceinture de verdure parce qu'il n'était même pas encore propriétaire, sauf si, et la question est au Premier ministre, quelqu'un dans le gouvernement lui a donné l'information qu'il y avait des programmes pour la ceinture de verdure. Le leader parlementaire du gouvernement, c'est choquant, Monsieur le Président, que quelqu'un qui parle de construire de nouveaux hôpitaux dans la région de York, eh bien, nous parlons de construire un nouvel hôpital avant la dernière élection. Alors, ce n'a jamais été un secret, le fait que les gens de la région de York, surtout de Salt Lake, voulaient reconstruire l'hôpital. Alors, je ne comprends pas pourquoi la chef de l'opposition n'est pas au courant de cela. Pourquoi elle ne comprend pas que nous n'essayons pas de dire aux Ontariens que nous allons faire des investissements de 15 milliards de dollars dans la santé et que nous allons maintenir cette promesse parce que le secteur de la santé manquait d'investissement à cause de la coalition libérale NPD qui avait été au pouvoir pendant 15 ans auparavant. Alors, bienvenue à la fête. Maintenant, vous allez peut-être considérer de voter en faveur de ce programme visant à construire des hôpitaux dans vos régions. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce n'est pas ce que ce gouvernement dit, c'est ce qui a accès aux informations venant de ce gouvernement. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Peu avant la réunion de juin, Luca Bucci, le chef des équipes du ministère du logement, et, a quitté en fait son emploi pour aller travailler avec cette organisation. Le président à l'époque était Bob Shukevans, qui avait aussi des propriétés qui ensuite seraient vendues aussi à Michael Rice le 15 septembre. Et ensuite, il a éliminé de la ceinture de, il a été éliminé cette zone de la ceinture de verdure peu après. Alors, est-ce que M. Bucci ou n'importe quel autre fonctionnaire du gouvernement était au courant de l'élimination de cette partie de la ceinture de verdure avant le 15 septembre 2022? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Il est important que vous suiviez. Eh bien, il est important aussi que la population de l'Ontario suive après l'élection qui s'est tenue en juin dernier. Alors, il faut parler de ce qui se construit, ce qui ne se construit pas dans la province de l'Ontario. Je pense que c'est important. Il faut parler de ce qui se construit et ce qui ne se construit pas. Parce qu'avec la coalition libérale NPD, rien n'a été construit, Monsieur le Président. Et cela vaut pour les hôpitaux, pour les transports, pour un commun, pour le métro, pour les routes. Ils avaient promis de construire le métro et nous l'avons fait 15 ans après, Monsieur le Président. Alors, ce ministre des Transports, ce Premier ministre, ont construit le métro, ont relancé le projet. Alors, je dis à l'opposition, il est important de voir ce qu'on construit et ce qu'on ne construit pas, parce qu'avec ce gouvernement, les choses se construisent, alors que quand eux, ils étaient au pouvoir, il n'y a rien qui se passait. Question finale complémentaire. Monsieur le Président, encore au Premier ministre,
la narrative des conservateurs est véritablement hors rail. Il faut véritablement qu'ils reviennent sur les bons rails. Alors, nous, à l'ordre, s'il vous plaît, dit le président. Quand Michael Rice parlait d'un projet de construction sur cette zone qu'il allait acquérir en juin ou même janvier de l'année dernière, les délais n'ont pas de sens ici. Alors pourquoi le Premier ministre et le ministre ont dit au commissaire à l'intégrité qu'ils ont été mis au courant de l'élimination de cette partie de ceinture de verdure quand les personnes qui appartiennent au cercle du Premier ministre étaient au courant bien avant cette date? Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. La chef de l'opposition, Monsieur le Président, dit que notre narrative est fausse. Moi, j'aimerais suggérer que la narrative du NPD n'est pas juste. Et donc, j'aimerais dire que nous allons continuer de construire la prospérité en Ontario en construisant des routes, des autoroutes, des foyers de soins de longue durée. Nous allons investir pour pouvoir créer des emplois en Ontario. Et ce que nous avons vu en Ontario, c'est un grand changement maintenant dans la province de l'Ontario. Nous avons ici un parti d'opposition qui parle de promesses, qui a vu que la population de l'Ontario a tourné son dos à ce parti. Et d'ailleurs, nous avons été réélus avec une majorité bien plus vaste que celle que nous avions quand nous avons quitté après les élections. Alors, son parti n'a jamais répondu aux exigences de la population. Nous faisons tout ce qu'il faut pour la population. C'est l'économie qui le montre et la population de l'Ontario le montre. Members will please take their seats. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, devant le président. À l'ordre. Encore une fois. À l'ordre. Nouvelle question, député de Keewatinaw. Miigwech, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Le leadership et les membres de l'association Ojibwe est venu aujourd'hui pour renforcer une promesse du traité 1850 à la population. Ce traité leur a promis de la terre que l'Ontario et le Canada avaient repris du bois, des ressources, des terres cultivables. Alors, Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement va honorer le traité 1850 et va donner la terre que l'Ontario doit à la Première Nation de Garden River? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dit le président. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa question. Et j'aimerais donner la bienvenue à la délégation des chefs de la communauté et de toutes les communautés des Premières Nations qui sont ici aujourd'hui. Je pense que c'est une belle tradition de travailler avec des partenaires autochtones pour faire en sorte que ce gouvernement ait véritablement la possibilité de respecter les accords qui ont été pris par le passé. Mais le travail qui a été fait est un travail important. Je sais que c'est quelque chose qui est maintenant encore devant les tribunaux. Et donc, malheureusement, vous savez qu'on ne peut pas parler de quelque chose quand c'est devant les tribunaux. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse dire sur ce domaine. Et le Premier ministre a déjà dit qu'il travaille avec les parties prenantes autochtones, non seulement pour rendre les terres, mais aussi pour montrer l'intérêt que nous avons dans le fait que les communautés autochtones participent à la croissance économique, parce que ce sont eux qui ont participé et qui vont participer à construire l'avenir de l'Ontario. Je sais qu'ils sont excités de participer, de travailler avec nous parce qu'ils savent que c'est très important et nous le savons également. Question complémentaire. Nous devons commencer à parler d'autodétermination. Nous devons parler d'autogouvernance. Nous devons parler de gouvernance des traités. Les Premières Nations en Ontario, Monsieur le Président, sont des partenaires finançants dans le développement de cette province. Et nous le savons, vous le savez, l'avenir et la prospérité future pour nous tous dépendent de la mise en œuvre de l'esprit et de l'intention des traités.
Encore une fois, la prospérité de l'Ontario du Nord dépend du respect de ces traités. Est-ce que l'Ontario est d'accord sur le fait que cela veut dire du respect vis-à-vis de l'environnement et pour faire en sorte que chaque projet de construction sur lequel on est déjà d'accord peut se faire de manière durable, responsable et avec la participation pleine et entière et le consentement plein et entier des Premières Nations? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, le Président. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Une très bonne question de la part du député et je pense qu'elle mérite beaucoup de respect. Nous devons commencer à travailler avec les Premières Nations. Nous devons continuer de travailler avec les Premières Nations et nous avons souligné en plusieurs occasions, à maintes reprises, nous avons dit qu'il s'agit ici d'un partenariat. C'est une discussion de nation à nation, Monsieur le Président. Les Premières Nations, pour beaucoup d'aspects, sont non seulement des personnes qui travaillent avec nous, nos partenaires, mais aussi nos enseignants pour ce qui est de la prospérité économique de l'Ontario du Nord, mais non seulement de l'Ontario en général. Donc, nous allons travailler avec nos partenaires, non seulement dans les communautés des Premières Nations, mais partout dans la province de l'Ontario pour garantir que, alors que l'économie se développe dans le Nord, ce qui est très important pour le développement économique de l'Ontario du Sud et pour tout le Canada, nous voulons faire en sorte que ces relations que nous avons avec les communautés des Premières Nations vont nous guider vers des voies qui nous mènent à la prospérité économique pour tous les Ontariens. Merci beaucoup. Nouvelle question. Prochaine question, député. Merci. La question est pour le ministre des Finances. Au niveau de l'expérience de l'incertitude économique globale, les fournisseurs, les perturbations et tout ce qui a été créé, les pressions à travers l'Ontario, les individus, les familles et les entreprises tournent vers le gouvernement afin de fournir le soutien nécessaire pour que le logement soit plus abordable. Ils doivent savoir que le gouvernement est en train de se concentrer sur les législations, les investissements, les initiatives pour avoir l'allègement financier nécessaire. Est-ce que le ministre peut expliquer comment le gouvernement est en train de travailler pour les Ontariens durant ces temps économiques assez durs? Merci, Monsieur le Président, et merci pour le député de Brantford. Nous avons élu le gouvernement avec un plan pour le faire, pour continuer à couper ses coûts et en investissant dans l'infrastructure que l'Ontario a besoin. Nous avons un plan responsable pour s'assurer que la province est sur la voie assez forte de la recouverte économique. L'agence de crédit Moody's a changé le taux d'Ontario de stable à positif. Ça reflète le gouvernement d'avoir une politique responsable et fiscale sur laquelle nous continuons à bâtir l'Ontario. Question complémentaire. Merci pour cette réponse. Ça fait bien de savoir que le gouvernement est en train d'introduire des mesures pour remettre de l'argent dans la poche des payeurs de taxes et bâtir avec des infrastructures qui vont bénéficier tout le monde. Ayant dit ceci, les gens de l'Ontario s'attendent à tout le gouvernement de l'Ontario se tourne vers le gouvernement pour réduire les coûts. Le gouvernement libéral ne sait pas, le gouvernement doit être engagé à se concentrer sur les problèmes pour améliorer la vie de tous les jours. Est-ce que le ministre peut expliquer comment les priorités de ce budget vont aider à rendre les choses plus abordables pour le peuple de l'Ontario? Merci pour cette question. On est en train de rendre le transport plus abordable en réduisant les frais. Et je dois vous dire qu'ils sont en train d'utiliser les services pour les âgés ici. Ces temps-là sont encore plus difficiles. On va doubler le système de gardien de gain ici.
en décembre 2023. Et, Monsieur le Président, nous proposons de pouvoir étendre ce plan pour plus de 100 000 aînés pour une augmentation de 50 % supplémentaire pour faire face à ces conditions difficiles. Les mesures incluant la réduction des frais de renouvellement des immatriculations. Merci. Les résidents sont code rouge et code noir ont été amorcés parce qu'il n'y a pas d'ambulance suffisamment. Il y a une augmentation de 4883 codes rouges. Trois mois, Windsor-Essex est à 900 codes rouges, plus de 200 000 minutes de code noir. Et ce gouvernement n'adresse pas ce problème. Est-ce que le Premier ministre va adresser cette réalité afin de pouvoir adresser les problèmes des services d'urgence quand les Ontariens ont besoin de ça? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette question. Le gouvernement sait que le statu quo ne fonctionne pas et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'introduire les changements et pourquoi nous avons les rétentions que nous sommes en train de faire et l'embauche que nous sommes en train de faire dans le système de santé. Et le ministre de la Santé et le ministre des Collèges et Universités à Winston afin de pouvoir annoncer un programme de formation pour s'assurer que 2500 étudiants vont avoir la formation couverte par le gouvernement. Et ce que nous faisons est que nous assurons que ces programmes sont disponibles en bâtissant sur les programmes que nous avons annoncés en 2022. Et ça fait partie de la solution que nous avons les ressources humaines nécessaires et s'assurer que les services d'urgence sont en pleine opération. Le maire a appelé une action pour notre région. Le maire Bondy a dit, nous implorons les autorités d'appliquer une révision immédiate des hôpitaux et des crises des employés dans le système de santé. Les volumes sont en train de contribuer à ça. Ce n'est rien de tangible ni fait et on va faire face à des conséquences catastrophiques. Est-ce que le Premier ministre va adresser les inquiétudes du Conseil de Essex et faisant face à travers Essex avec l'augmentation des codes rouges et des codes noirs? Merci. Notre gouvernement est en train de prendre action d'avoir l'accès nécessaire pour les services de soins de santé. Et quand il en est au service ambulancier, il y a plusieurs étapes que nous avons fait en place. On est en train de augmenter la disponibilité des ambulances avec plus de 600 000 heures. On fournit l'expansion des services optionnels 911. On est en train d'élargir ces services pour les médicaments. Et nous sommes en train de maximiser les capacités de ressources humaines. Nous avons augmenté les services des environnements de plus de 23 millions de dollars pour 27 municipalités. Et ces municipalités ont reçu ce financement. On va s'assurer que les ambulances seront dans la communauté et que les services d'urgence sont bien garnis. Le député de Brampton North, la question au ministre du Transport adjoint, plusieurs personnes et on est à Toronto à travers les services. Et ce que nous avons mis ici quand le gouvernement n'a pas gardé sa promesse, le gouvernement a hérité un système de transport
qui est obsolète. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit bâtir l'infrastructure pour améliorer le voyage et augmenter l'économie. Est-ce que le ministre adjoint peut expliquer comment on amène les services de transport pour les gens de ma circonscription et à travers l'Ontario? Ministre adjoint de transport, merci pour... nous sommes en train de bâtir ce réseau après l'échec. Hier, nous avons annoncé plusieurs infrastructures à Bramley-Go et à Brampton. Ces améliorations et des bâtiments, plus de 2000 aires de stationnement et des infrastructures de bus avec plusieurs des plateformes et pour pouvoir augmenter les choses. Ces améliorations vont augmenter ces transports de plus de 12 millions. Et à moins que ce gouvernement est en train de le faire pour les banlieusards. Et merci, Monsieur le Président. Ça fait plaisir que le gouvernement est en train d'améliorer le système de transport pour la connexion. Une nouvelle et améliorée Bramley Go Station va fournir plus de services. On va moderniser le système de train pour les années à venir. Notre gouvernement doit continuer à bâtir avec l'engagement du gouvernement pour le système de transport en commun. Est-ce que le ministre associé peut élaborer sur le gouvernement pour l'élargissement du réseau de transport en commun? OK, on va être clair. Ce gouvernement est en train de prendre l'expansion la plus grande dans 70 milliards de dollars, plus de 70 milliards de dollars, et la rendre en fait. Est-ce que on va continuer à augmenter cette Merci. En dépit de l'opposition qui oppose ce transport, on le fait. Hamilton, par exemple, a une nouvelle plateforme. Ça, c'est la seule amélioration. On est en train d'amener plusieurs améliorations et des abris. On est en train de rénover des plateformes avec deux tunnels piétons aussi. Ce n'est pas l'expansion, c'est la rendre plus abordable. C'est pour voir. Ce gouvernement est en train de le faire pour les banlieusards et pour les utilisateurs du transport. Santé. Speaker, Chelsea and District Memorial Hospital. Il y a c'est 24 heures par semaine, 7 jours par semaine au système d'urgence. Il dessert plusieurs aînés des peuples Amish. Ils savent que plein d'entre eux sont en train de dépendre de ça. Ils ont besoin de plus de ressources. Ils ont besoin que ce ministre de Santé, les hôpitaux sont la plus grande responsabilité du ministère de la Santé. Nous savons que le ministre ici essaie des investisseurs pour des cliniques privées. Mais on veut savoir qu'est-ce que le ministre va faire pour pouvoir aider les services publics hospitaliers qui sont en train de lutter actuellement. Ministre de Collège et d'Université, merci pour le député. C'est assez intéressant. Vous êtes en train de parler de médecins et d'infirmiers, mais à chaque fois que vous votez, c'est non, 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 non. La loi 60, tout le monde a voté. Ça a ajouté des infirmières, des services d'infirmiers, des médecins aussi. Et actuellement, ça affecte vos communautés. Et nous avons déjà vu plus de 1 300 étudiantes diplômées à travers ça.
Non, vous avez voté contre la loi 60, mais vous avez la chance de pouvoir voter pour le budget pour inclure plus de médecins et plus d'infirmiers. Et je vous demande pour soutenir le budget pour pouvoir avoir plus de ressources ajoutées au système. On rappelle les députés juste de diriger leur réponse à travers leur présidence, membre complémentaire. Question complémentaire. Une des questions du ministre de Santé, quand les infirmières n'ont pas pu venir, il y a un service d'urgence qui a été fermé. Les compagnies à but lucratif qui opèrent et sont en train de d'hameçonner, si vous voulez, ces infirmières. Et je dois vous dire, il n'y a pas de lien entre ces deux-là, mais je me demande pourquoi ces infirmières, qui dit ça? Est-ce que ce sera le gouvernement qui va faire face à ce que le gouvernement est en train de faire pour les cliniques à but lucratif. Le député, merci encore une fois. La question ici, on parle de ressources humaines, ajouter plus de ressources, plus de médecins. Le député de Kitchener. Le député de Kitchener-Conestoga est à rappeler à l'ordre. Je sais, on ajoute plus de ressources humaines au domaine, plus de médecins, plus d'infirmières et plus de... et ils ont voté contre. On a un nombre... un record de personnes qui veulent devenir des infirmiers, infirmières, les investissements dans les hôpitaux à long terme, et là, à ce moment-là, toutes les opportunités qui s'en viennent, on parle de plus de médecins, de plus d'infirmières, et là, à ce moment-là, on a voté pour le budget de 2023 et nous espérons que tous les députés qui sont ici présents vont se lever pour pouvoir voter en faveur de cette loi. Encore une fois, je rappelle les députés de faire leurs commentaires à travers la présidence et pas directement dirigés vers l'opposition. On rappelle alors le député pour Orléans, député d'Orléans. La question pour le député, plutôt, le service d'urgence a été fermé de 7 heures jusqu'à 5 heures. Les résidences de Chelsea, d'après le gouvernement, c'est dommage pour eux. Et la pénurie de médecins et d'infirmiers et infirmières a rendu les choses avec moins d'options. Le mois dernier, plusieurs résidents de Chancellor ont protesté la fermeture des services d'urgence. Monsieur le Président, les gens de Chancellor en ont marre de l'inaction de ce gouvernement. Et est-ce que le Premier ministre va adresser le problème de pénurie du personnel et garder les services d'urgence à travers l'Ontario ouverts? Monsieur le Président, c'est vraiment difficile de poser des questions là, mais quand les libéraux étaient actuellement au pouvoir pour 15 ans à travers l'Ontario, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Absolument rien. Et quand les PND étaient au pouvoir, quand le NPD était au pouvoir, les libéraux actuellement ont fait pire et ils ont coupé les dépenses budgétaires pour les services de santé. Alors que le gouvernement conservateur a augmenté les dépenses, les libéraux ont agenouillé cette province
Et là, à ce moment-là, ils peuvent. Ces députés sont en train de dire que faire quelque chose. On a commencé du premier jour pour faire des investissements, pas seulement dans les petits et moyens hôpitaux, en bâtissant et en amenant des milliers de nouveaux emplois dans ces hôpitaux et dans le système de santé. Question complémentaire. Vous savez ce que le gouvernement a fait? Et on sait que les services d'urgence en Élysée sont fermés pour 38 fois de l'année dernière jusqu'à cette année. Il s'agit que l'hôpital Montfort à Ottawa a été fermé pour les fins de semaine l'année dernière. Ils continuent à blâmer les autres après 5 ans, n'ayant pas accompli quoi que ce soit. À Chesley, la crise à Chesley et si seulement le sommet de Lisburg. Si on ne prend pas des actions, ça va se passer encore et encore et encore. Sans médecins de famille pour Chesley, qui ne peuvent pas avoir un transport d'une demi-heure quand ils ont une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les services d'urgence? En 2018, quand ils ont élu un gouvernement conservateur pour pouvoir réparer ce qui s'est passé pour 15 ans avec les libéraux. C'est un député où le gouvernement a fermé des écoles en Ontario. Ça, c'est un député où a fermé des hôpitaux, des petits hôpitaux, afin de pouvoir prendre des financements des petites et pour les mettre dans leur propre circonscription. Ils ont mis à pli des infirmières, ils n'ont pas bâti du long terme. Et qu'est-ce que nous avons fait? Vous savez qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes en train de bâtir 15 nouveaux hôpitaux en Ontario. Nous sommes en train de les élargir. On est en train de bâtir dans les petites villes. C'est absolument incroyable. Pour 15 ans, ils nous vous ont affamés. Et là, à ce moment-là, on les rend. On est en train d'embaucher plus de médecins, plus de soutien médical, plus d'infirmiers et infirmières. Appel à l'ordre. Question. Député de. Merci, Monsieur le Président. La question de. Après 15 ans de gouvernement, l'Ontario est laissé avec une dette de règlement. Les compagnies ont plein de règlements compliqués et sous les libéraux, plus de 300 000 emplois ont quitté l'Ontario. C'est la raison pour laquelle, en 2018, les Ontariens ont mis confiance dans le gouvernement pour pouvoir nettoyer ce qui s'est passé, qui va mettre en place des mesures pour paver la voie pour des meilleurs services, pour pouvoir investir en Ontario. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut partager certaines des étapes pour rendre l'Ontario plus compétitif? Merci beaucoup et merci pour cette question. On sait que le gouvernement précédent, soutenu par les NPD, a créé un fardeau pour la province de l'Ontario. En fin de compte, on a mais qu'est-ce que nous avons fait? On a amené plusieurs lois afin de pouvoir réduire la charge réglementaire. 10 lois pour amener des exigences pour la charge de règlement et on continue à encourager, bien entendu, les Ontariens et les entreprises pour amener des idées pour qu'on puisse travailler avec ça
et rendre la vie plus facile pour tout le monde. Et je voudrais mentionner aussi que jusqu'à date, nous n'avons pas reçu une idée des membres de l'opposition jusqu'à parce qu'ils s'en foutent pour la réduction de la paperasse. Merci, Monsieur le ministre. Oh, Monsieur le Président, c'est une bonne nouvelle pour les gens d'Ontario où notre gouvernement est en train de simplifier les processus pour se débarrasser de règlements qui ne sont plus nécessaires et obsolètes. Notre gouvernement continue à qu'il y a des solutions pour sauver le temps et l'argent pour les Ontariens. Aujourd'hui, le ministère de la réduction de la paperasse a sauvegardé plus de 16 règlements. Mais par contre, notre gouvernement doit continuer à avoir plus d'opportunités pour réduire les charges réglementaires, pour rendre les choses plus faciles aux Ontariens pour accéder aux services. Est-ce que le ministre peut partager comment le gouvernement il fait face à cet allègement de la paperasse? Merci pour cette question importante. Et j'étais fier d'introduire la 10e loi réduction de formalités administratives. Et bien entendu, ça va aider de pouvoir amener tout ceci à travers la province et dans plusieurs provinces. Ça va aider les entreprises et les organisations à but non lucratif pour pouvoir adopter des moyens numériques. Il va protéger pour pouvoir avoir sur les compagnies et ça c'est compagnie publique et ça c'est certaines de ces lois que nous avons ici et je suis fier de dire aussi que ça a été la loi la plus importante que nous avons amenée dans ce gouvernement dans cette session. Pourquoi? Parce que nous comprenons les fardeaux non nécessaires, la réduction des formalités administratives est en train de et on continue à alléger ces réductions de formalités administratives. Période de questions. Merci. La question est pour le Premier ministre. Le rapport FAO a confirmé ce que les experts ont mentionné depuis quelque temps, la mise en place de 10 $ pour service de garde pour les gens à revenus faibles. Et est-ce que le gouvernement a planifié à créer des espaces à but non lucratif pour créer de bons emplois? La version des données qui ont opposé une de parce que l'opposition a été parce qu'il n'y avait pas d'idéologie ici pour les gens de l'Ontario. Ce premier a fait, il a fait avec $1 milliard supplémentaire et un financement garanti pour l'année prochaine et une augmentation de salaire pour les travailleurs qui font une différence. On est en train d'augmenter les taux horaires à $1,25 et on a fait un engagement, l'assistant parlementaire à une consultation de partir de l'avant, qu'on parte à l'avant afin de pouvoir rendre les choses plus abordables. Cette année, c'est de $46 à $23. 50% de réduction, alors qu'on fait ceci pour les familles de l'Ontario. Monsieur le Président, le FAO estime que plus de 220 000 espaces supplémentaires sont exigés pour les gardes des enfants, avec 16 000 travailleurs de la petite enfance pour rencontrer cette demande. Les ECE sont en train de quitter ce domaine plus rapidement que précédemment. Et la commission consultative, est-ce que le gouvernement va prioriser
le 10 dollars par jour pour garde d'enfants et s'assurer que ces travailleurs puissent être rémunérés de la bonne façon. Oui, on est d'accord que les ECLA jouent un rôle critique avec beaucoup d'opportunités et en augmentant leur salaire et le soutien pour les travailleurs, on est en train de mettre la réduction des frais et accès sous l'ancien libéral. Et ils sont d'accord avec l'augmentation de 400% de frais. C'est un choix de rester à la maison et de souminer l'économie. On est en train de faire les choses. On a fait face au gouvernement fédéral pour créer plus d'abordabilité, plus d'espace et plus d'investissement fédéral. On est en train de réduire ces frais, augmenter les capacités afin de pouvoir servir les enfants de l'Ontario. Question. Merci. La question pour le ministre des Agriculture. On a trouvé une façon similaire pour le secteur agroalimentaire en mettant en place de nouvelles technologies au sein du secteur. On continue à avoir ça pour être des produits de qualité sur la carte. Géographie est universelle. L'activité économique générée par les serres en Ontario contribue à plus de 2,3 milliards de dollars pour le PNB et plus de 28 000 emplois. Est-ce que le ministre peut partager ce que le gouvernement est en train de faire pour soutenir la croissance de ce secteur agroalimentaire? Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'apprécie cette question du membre de Peterborough, de député de Peterborough. C'est important que les gens de l'Ontario comprennent que le secteur des serres représente plus de 81% de l'exportation des végétaux. De l'exportation, nous sommes une puissance ici au Canada et on travaille dans ce secteur et dans toute cette approche afin de pouvoir s'assurer que le soutien est nécessaire ici en place. On continue à travailler avec le secteur vert et introduire des programmes comme l'initiative Grow Marketing à travers le monde. On travaille avec nos collègues pour réduire les règlements, les formalités administratives et les CR afin de pouvoir s'assurer où les employés ou les travailleurs à l'international avoir le système nécessaire d'introduire ça. La liste est assez longue, mais la chose la plus importante. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt cette semaine, nous avons accueilli la Greenhouse Alliance dans cette chambre. Ils ont permis de générer 900 millions de dollars en 2021. Nous avons établi un partenariat avec Ontario Chapters Flowers Canada et Ontario Greens Growers, où, avec qui nous avons pu organiser deux événements. Avec eux, nous avons permis de stimuler l'économie. Ces partenariats nous permettent de faire pousser des fleurs et de faire pousser des végétaux toute l'année, nous permettant d'avoir un approvisionnement en nourriture toute l'année. Est-ce que la ministre pourrait nous dire pourquoi on aimerait plutôt moins dépendre des exportations? Réponse. Je remercie le député de Peterborough de reconnaître ces deux parties qui sont venues ici. L'Alliance a tant à célébrer. J'ai parlé à un cultivateur de fleurs fraîches et j'aimerais partager ce qu'il a dit. Ils ont eu un très bon marché avant la fête des mères. Il déclare également qu'un million de dollars a pu être réalisé grâce à la vente de fleurs. Ils ont pu vendre des fleurs aux États-Unis, ce qui a permis de générer 1,3
millions de dollars qui reviennent en Ontario. Ainsi, cela nous permettra d'investir dans nos entreprises du secteur de la province. Nous voulons aider les personnes du secteur et les aider à réaliser leurs opportunités. Député de Niagara Falls. Merci, je m'adresse au Premier ministre. Mardi prochain, il y aura un événement. On essaie de trouver des solutions Woodbine va accueillir une compétition, mais on essaie de maintenir la sécurité lors de cet événement. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement va agir et permettre à ce que cette compétition puisse avoir lieu? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'en face pour sa question qui est très importante. Comme le député le sait, des plaintes ont été déposées auprès du bureau de la compétition. Je ne peux pas parler en détail de cette affaire, mais j'aimerais dire une chose. Je pense que le député d'en face le sait très bien. Le gouvernement précédent était prêt à laisser l'industrie de la course hippique chuter. 23 000 emplois ont disparu, plusieurs chevaux sont morts. Nous voulons soutenir ce secteur. D'ailleurs, pendant la pandémie, nous avons négocié des conditions pour avoir une entente d'investissement afin d'aider cette industrie dans les temps difficiles. Cela permet à l'industrie de pouvoir se relancer tout en maintenant des emplois et en permettant aux Ontariens et Ontariennes de continuer à participer à des courses hippiques. Complémentaire. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Des dizaines de millions de dollars ont été alloués à Woodbine, mais le gouvernement continue de prendre des mesures qui affectent cette compétition. Woodbine refuse de travailler avec Fort Erie lorsqu'il s'agit d'organiser une compétition. Red Tracks et Ontario devaient travailler ensemble, mais Woodbine fait exactement le contraire. Je demande au gouvernement de faire ce qu'il incombe, soutenir la course hippique de notre province et punir le comportement de Woodbine et de son PDG. Merci. Ministre des Finances. Monsieur le Président, merci. Et je remercie encore une fois le député pour sa question. Notre gouvernement comprend le rôle important de la course hippique et de son industrie pour les collectivités de l'Ontario. Certains de mes collègues, même de l'opposition, se sont battus pour ce secteur, pour maintenir ses emplois dans les collectivités de l'Ontario. D'ailleurs, le député s'est battu dans sa circonscription pour cet effet. Mes collègues se sont également battus pour cet effort. Sans cela, plusieurs communautés auraient souffert et plusieurs emplois auraient été affectés. Nous continuons de soutenir l'industrie de la course hippique. Alors, merci encore une fois pour votre soutien. C'est tout ce que j'avais à dire. Question suivante, député de Markham-Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des services aux consommateurs. Les Ontariens savent que la technologie change, s'améliore beaucoup plus vite qu'avant. Souvent, les changements peuvent arriver plus rapidement et les entreprises et les personnes n'arrivent pas à tenir le rythme. Les travailleurs de ces entreprises aimeraient avoir accès à des services en ligne et la technologie devrait permettre cela. Il est important, il est nécessaire que l'on suive le rythme des nouvelles technologies afin que les entreprises puissent
continuer d'être concurrentiel et offrir les services dont notre population a besoin. Est-ce que le ministre pourrait expliquer ce que notre gouvernement fait pour assurer à ce que l'Ontario puisse s'adapter aux nouvelles technologies? Merci. Ministre des services aux consommateurs. Merci, Monsieur le Président, et merci au député de Markhampton Hill pour sa question. Monsieur le Président, le gouvernement a une position claire. Notre Premier ministre et notre ministre des Finances l'ont répété. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être un gouvernement non connecté dans un monde qui est connecté. Nous proposons des mesures qui nous permettent de nous adapter aux nouvelles technologies de pointe comme la technologie nuagique. Nous voulons nous éloigner de mesures désuètes. Nous voulons offrir les services nécessaires desquels dépendent notre population, des services qui sont dignes de confiance. Notre province est un chef de file au pays, mais également dans le nord de l'Amérique et dans le monde entier lorsqu'il s'agit de l'adoption de la technologie nuagique. Intervention du Président. Complémentaire, merci. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le ministre pour sa réponse. La technologie nuagique est une réalité. Le ministre explique que cette technologie nous pourra accroître la sécurité. C'est une excellente nouvelle. Lorsqu'on pense à des incidents qui pourraient arriver, tels que le vol de données en ligne, nous faisons face à de réels problèmes. Les personnes de notre province devraient avoir confiance de savoir que notre gouvernement offre des services et que nous avons une cybersécurité solide en place. Est-ce que le ministre pourrait expliquer comment est-ce que notre gouvernement met en place des technologies qui permettent de garantir la confidentialité des renseignements? Merci. Encore une fois, je remercie le député pour sa question. Comme le député l'a dit dans sa première question, la technologie avance rapidement. Malheureusement, cela veut également dire qu'il y aura des mauvais joueurs qui souhaiteront dérober les renseignements personnels des Ontariens et Ontariennes et trouveront toujours des nouvelles façons de perturber les services. C'est pour cela que notre gouvernement restera toujours sur le qui-vive. Nous allons nous assurer à ce que les Ontariens et Ontariennes restent en sécurité grâce à nos mesures de sécurité apportées par cette nouvelle technologie. L'économie et la population de l'Ontario continuent de croître. Notre gouvernement reconnaît la nécessité d'évoluer dans le même sens. Nous allons appliquer des changements technologiques. Nous sommes un gouvernement efficace qui sert les personnes et les entreprises dans notre excellente province. Question suivante, député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Robert, un de mes commettants, dépend du POSPH et a dû faire face à un choix impossible à Walmart ce matin. Devait-il acheter des chaussettes à diabétiques ou de la nourriture? Tous les diabétiques savent que ces chaussettes sont importantes. Alors Robert a dû faire un choix. Devait-il mourir de faim ou acheter ses chaussures pour éviter une amputation? Le POSPH place les personnes dans des situations de pauvreté législative. Les personnes reçoivent de l'argent, mais pas suffisamment. Il faudrait doubler les taux du POSPH pour permettre aux personnes de sortir de la pauvreté et d'empêcher Robert de perdre ses membres. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler aux Ontariens et Ontariennes que nous prenons des décisions. Nous avons réalisé l'augmentation la plus importante réalisée au POSPH depuis une décennie. Nous avons augmenté le seuil de 200 à 1000 $ afin que plus d'Ontariens et Ontariennes puissent garder de l'argent dans leur poche. Monsieur le Président, chaque décision prise par le gouvernement sera toujours contesté par l'opposition plutôt qu'à parler d'abordabilité. Nous proposons des solutions et ils s'y opposent. C'est
lorsque les caméras et les micros sont allumés, qu'ils agissent. Mais ils n'agissent pas à part cela. Nous allons soutenir tous les Ontariens et Ontariennes et nous assurer à ce que personne ne soit laissé de côté dans notre province. Les néo-démocrates doivent se lever et dire aux personnes de la province pourquoi ils continuent de voter contre toutes les mesures que nous proposons. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Des millions d'Ontariens et Ontariennes sont laissés pour compte à cause de ce gouvernement et vivent aux dépens du POSPH. Le gouvernement a proposé des changements qui ne sont pas suffisants. Robert doit faire un choix entre la nourriture et des besoins médicaux. Cela me dit que ce n'est pas assez ce que vous faites. Je ne sais pas ce que pense le Premier ministre, mais je dois moi-même changer mes chaussettes chaque jour. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet ce genre d'incident alors que ces personnes viennent toujours décrire leur handicap en détail? Réponse du ministre. Inaudible. Je remercie la collègue pour sa question. Nous avons augmenté les taux du POSPH de façon inédite et les néo-démocrates ont voté contre ces mesures. Nous voulons augmenter l'aide pour les Ontariens et Ontariennes, mais ils ont voté contre. Nous avons voulu augmenter le seuil de 200 à 1 000 $ pour permettre aux Ontariens et Ontariennes de pouvoir travailler et gagner plus d'argent. Qu'est-ce que l'opposition a fait? Ils ont voté contre nos mesures. À chaque fois que notre ministre propose des mesures, que ce soit dans le budget, dans l'énoncé économique et même dans l'ancien budget, toutes les mesures que nous avons proposées pour rendre la vie beaucoup plus abordable, les néo-démocrates ont voté contre. Je dois dire aux Ontariens et Ontariennes de ne pas se soucier parce que nous continuerons d'œuvrer pour les Ontariens et Ontariennes. Question suivante. Député de Hastings-Addington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Plus tôt cette semaine, le ministre a répondu à une question concernant le travail réalisé par notre gouvernement visant à continuer à soutenir la croissance économique de la province. Cela comprend des investissements dans l'industrie automobile. Je pense à l'installation de Volkswagen qui va être construite à Saint-Thomas. Nous avons parlé des capacités énergétiques de notre province. Ça a été un plaisir d'entendre la réponse du gouvernement et de savoir que le gouvernement a entrepris des mesures pour devenir concurrentiel. Est-ce que le ministre pourrait donner des renseignements supplémentaires concernant notre processus d'approvisionnement? Le ministre de l'Énergie pour la réponse. Monsieur le Président, j'aimerais tout d'abord commencer par corriger ce que j'ai dit. Lundi, j'ai parlé du projet O'Neill, qui est le projet le plus important en termes de batterie. Mais mardi, les choses ont changé. Nous aurons un plus grand projet d'installation. Et d'ailleurs, le deuxième projet le plus important sera dans la circonscription du député. Nous continuerons d'ajouter de l'énergie propre dans notre système. Mardi, nous avons attendu que 740 watts seront disponibles pour notre ville. C'est une augmentation de 400% de l'entreposage de l'énergie propre. C'est une excellente nouvelle. Notre province continue de voir des investissements à hauteur de milliards de dollars dans notre province. Nous allons pouvoir construire 1,5 million de logements dans notre province. Intervention du président, merci. La